homme out Guinée. Ja. Ik heb 4 kinderen. Ja. En 3 jongen in Meja. Ja. Ik ga naar de school. Ja. En de baby naar de crèche. Ja. Ik kan naar de babu. Ik ben Aissatou. Ik heb 4 kinderen. 4 kinderen, ja. Jongen, meisje? Jongen. 4 jongen? 4 jongen. Chapeau. Veel werk. Veel werk, ja. Ja. En Franse? Ja, wel. J'aimais l'activité. Oui. Surtout quand on a fait les sorties. Oui. On a visité. Là, on a été là. On a pris, là, on fait les cuisines. Ah oui, la cuisine. La cuisine. La cuisine, oui. Oui, j'aimais ça. J'aimais aussi quand on était allé à la mer. Oui. Et puis, j'aimais bien aussi quand on était là, on est avec les enfants, mais on vient quand même avec les enfants. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Là, au moins, nous aussi, on n'est pas... Comment je vais expliquer ça? On n'est pas... On n'est pas resté à la maison sans rien faire pour dire que ah, je n'ai pas de crèche, je ne peux pas aller à l'école. Voilà, ça j'aimais bien. J'ai beaucoup apprécié ce que je vois ici. C'est vraiment important de venir ici pour savoir et parler irlandais. Et savoir ce qui se passe ici en Belgique. Toch nog met wat hij zo echt bijgeleerd heeft. Ook honno, jango da tigi tigi. Hara jonna inna, hara wola inna, kono nomi jangi. Donc c'est beaucoup de choses que je ne connais pas. Comme quoi? Combien des enfants j'ai, quel âge j'ai. Donc tout ça se connaît maintenant grâce que ce que je viens ici. Donc c'est tout, c'est vraiment très important. J'ai parlé avec des flamands après les cours. Oui, j'ai parlé un petit peu dans la rue. Voilà, dans la rue. Dans la rue, vous parlez avec les gens dans la rue. Oui. Parce que je connais beaucoup de choses ici. Avant, je ne connaissais pas. Si on devait recommencer, est-ce que tu reviendrais? Oui, avec plaisir aussi. Ok. Quel message tu peux donner aux autres pour qu'ils puissent venir? Bon, moi, j'encourage tout le monde de venir écrire ici parce que c'est important. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on apprenne encore? Peut-être un cours? Cours encore. Je voulais que ça continue. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Oui. Je voulais que ça continue parce que vraiment, c'est très bien. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Qu'est-ce que tu as appris que tu ne connaissais pas? J'ai appris les droits de Belgique. J'ai appris comment on occupe des enfants. J'ai appris encore la cuisine. Comment faire une soupe? Comment faire une soupe? Comment faire les cakes, là, les petits cakes? Oui. Voilà, j'ai appris aussi comment on reste avec les gens. Voilà. Ah. Ok, une question, Maria. Qu'est-ce que vous voulez faire à partir de maintenant en Belgique? Rester à Bruxelles? Normalement, par exemple, si je trouve la maison dehors de Bruxelles, je pars. À Wallonie ou bien à Flandre? En Flandre. En Flandre, oui. Oui. Parce que j'aimerais bien continuer mon cours de néerlandais pour voir si je vais trouver le boulot parce que je voulais faire la crèche. En parlant de néerlandais. Oui, c'est sûr, tout le monde parle le néerlandais. Tout le monde parle le néerlandais. Voilà, c'est ça. Promis, si on a des enfants, on les amène chez toi. Il n'y a pas de problème. Ah oui. Marianne, tes petits-enfants, tu peux les amener chez elle, en néerlandais. En néerlandais, voilà, c'est ça. Oh, t'es bien d'accord. Allez. Alors, qu'on présente en néerlandais. Après, on a un projet de la foule de Bilafouide. Ça fait depuis janvier, on est là. Qu'est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu aurais encore peut-être à apprendre? Et qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ben bien à vous. Yeah. École, autre guillemets. École.
in Bloemer, zou je even moeten... Ik woon in de Brussel. Ja. Heb je kinderen? Vier kinderen. Ja, meisjes, jongens? Drie meisjes. Drie meisjes? Eén jongen. Eén jongen, ah ja. Oké, okay, in het Frans worden? Een beetje spreek plat. Pula. Een beetje Frans. Een beetje Frans, ja. Een beetje Nederlands. Engels misschien? Nee. Soso? Soso. Ah. En Malinke? Een beetje. Een beetje Malinke. Oh. Ah. J'apprécie beaucoup hein, parler un petit peu néerlandais, même les français mauvais avant je parle mauvais, maintenant c'est correct. Mm-hmm. Même pour là aussi hein. Oh. Alors là, j'ai pris tout le monde néerlandais, français, plat. Ah, c'est bien. Oui, ah, hein. C'est bien. Là aussi, les activités beaucoup vous aimez aussi. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Pour aller visiter. Oui. Là où on a été au stand, oui. À Bruxelles ici, là où à Thomas, oui. Pour cuisinier. Ah oui, oui, la cuisine. Tout le monde avec Allo Bébé là-bas. Ah oui, le musée aussi, oui. Oui. Avec pour le fixe. Le vélo. Oui. Oui. Ah, mais j'ai fait faire des encore, mais j'ai fait les dents de Noonirin, non. Mais j'ai loué des Noonirigan, on a fait un petit gander. Min hollo yama do no kelbu on tigi ka anda do gono fala arde mi kuraze mo fiyo aro min na mo gahi no moji si o ario o nana yo kala ko wola na sitay o famal mo waylandi tade problem ala so ari ko welo welo to woni ga o yida yibe be andirano andira qu'est ce que tu as aimé le plus on bo ma weldi ko jam ko gori la welte kon do andugol fino leendi walori on don no welila andugol luwaji di on don no welila andugol fi activité ko yarno do holli len fi fayben ko dum don kadi welila elle a parlé en général, elle a appris beaucoup de choses, l'histoire de la Belgique, l'éducation des enfants, les droits et devoirs un peu du pays, elle a beaucoup apprécié. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle aurait aimé ajouter, elle a dit ben, elle pense qu'elle a tout eu. Alors, si quelqu'un d'autre doit venir, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire à la personne de venir parce que c'est important. Que si la personne n'a pas compris, elle peut toujours redemander. On réexplique jusqu'à ce que la personne comprenne les choses. Et franchement, que c'est une bonne chose de passer par là. Pour la belle de Tigitigi, on a fait une Irlande. Parce qu'il y a un nombre de sucre qui est venu à nos sacs. Kono juk sa joki wone ne wadi ko berne ma waway sa wawal kono anday no fuddi to la si goddo landi ke mammo goto sa wata mana do fallitete si da wayi wulde hunde ne am sta wata wulde kono wata wasa ata hay fusi kom angle ba minana ta do nerlande sa wuli goddi di minana. Ah, ok. Vous ne pouvez lire la moyenne. Elle dit qu'elle a apprécié. On lui disait avant que c'était difficile, c'est difficile, mais il suffit juste de commencer. Mm-hmm. Et si tu fais vraiment un effort, tu vas réussir, tu vas comprendre petit à petit. Mm-hmm. Au moins, tu sauras aussi comment reprendre et aller de l'avant. Mm-hmm. Elle dit que maintenant, si on lui dit quelque chose, même si elle ne sait pas, on va lui rectifier. On va lui dire comment faire les choses. Mm. Oui. Donc, il y a un visiteur, il y a Pidji. Il y a un peu de Belgique, 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 il y a un peu de Belgique. Les lois, comment le pays est, même si on voit la télé, comme personne ne lui expliquait, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était. Les visites aussi, elle a beaucoup apprécié parce qu'elle est là, mais si tu ne sors pas, tu ne peux pas connaître aussi. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'elle a appris qui va la servir dans le futur pour vivre ici? Quand on a parlé de fille, on a dit qu'on ira à Kaderleidi, on ira à Belgique. On a dit qu'on ira à Kaderleidi. Wano ndi kay dir ko jonnato me ndin non ka wonti yaari on do no waandi hollude cede mu wadi ka leedi do. Ok, hon non kadi jangula ton ko anda nafete fi ko arata ko nafito ray sa yiwi do non ko yewtu den do ko fo ande yewti façon biji buy wani se no woddo goddum ko anduda nafitor pe sa yalti do jango sa yey ka yasi dum non nafete tawai na banni mi janguno dum do banni mi arno to wana wol ko e nerlande do joni on tigi andi no inete
Le Néerlandais, elle sait parler, se présenter. Si on lui pose des questions sur elle, sur ses enfants, elle va le dire. Ça donne du courage. C'est vrai que chez nous aussi tu étais libre, mais ce n'est pas la même chose ici. Les gens connaissent leurs droits, chacun sait jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Et le fait de sortir aussi, ça te permet d'apprendre beaucoup de choses, ça te redonne confiance aussi. Het is de Ramadan. Het is de Ramadan. Nee, ze is niet 30, maar het is Ramadan. Ja, 39. 39. Wow. 39. Bijna 40. Ik ben niet gekomen. In de Golan ben ik in de Golan aan de Fibobo Tower in de City. Il faut que quand il y a un bébé, si si fani que ma ande, goni goni, hari goni wa dire no haja karina no wa dite sans. Asta ikadi kono ina hari kono. Kolo tuzo kata tawa hara. Wa watasi ko wa en wa dire no dano. Haron tigi anda ono da korte ko no goni ni. Yo no stai un no vo me wa di don tigi andi ko anda. Et pour l'éducation des enfants, bien qu'elles ont des enfants, c'est pas forcément parce qu'on a des enfants qu'on sait comment s'occuper de l'enfant. Elle a appris beaucoup de choses, il y a des choses. Elle le faisait, mais elle le faisait mal. Il y a des choses qu'elle faisait bien. Dit, ah, là, au moins, je savais. C'est toujours bien d'apprendre parce qu'on a des enfants, mais parfois, on ne sait pas comment s'en occuper. Et qu'elle a beaucoup apprécié. La meilleure photo. Pourquoi celle-là? Parce qu'il y a les dessins. Il y a les dessins dedans. Quel dessin? Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, et homme, maman et papa, oui. Et les enfants. Ils sont ensemble ou pas? Ils ne sont pas ensemble. Ils sont pas ensemble. Voilà, seulement les mamans avec les enfants. Voilà. Et le papa tout seul. Voilà, le papa tout seul. En Belgique. Voilà, en Belgique. Est-ce que vous avez encore envie de faire d'autres formations toi-même? Pour toi, oui. Oui. Encore plus de néerlandais ou aussi autre chose? Ah, néerlandais. Néerlandais? Et pour vivre ici à Bruxelles? C'est important le néerlandais? Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien. Tu aimes bien. Et tu parles un peu avec les gens dans la rue, maman? Ah, un peu. Un peu? Mais déjà. En ga je terugkomen naar Babous in de zomer? Tu veux venir ici à Babous pendant l'été? Mais si on est là, il y a des néerlandais, il y a des la Belgique, quand nous activités, on est là, il y a des activités. Il faut pour rouler la veille de Congo. Là, il y a des activités. Ok. Qu'est-ce qu'elle a aimé le plus, elle m'a dit, c'est apprendre. Apprendre, oui. Argol, non, car il y a un projet, un ami, et il y a l'école normale, on connaît certains. Je vois y'a des gens qui ne pas écouter ma voix quand ils écoutent du temps. Oh oui, ton voix t'as y'a pas. Donc il doit y avoir des pas écouter ma voix. Oui. La différence entre l'école de néerlandais normale et ici, c'est à peu près la même chose. Je demande est-ce que là-bas on peut aller avec les enfants. Il dit ah non quand même. Là, la personne peut venir avec les enfants. Quand nous on te voit à ta bête d'arrêt, garde à part néerlandais ou garde sur tes guerres. Ah ben tu te fais du coup. Ah andai qu'on non. Aduna awoni duna fosse un tigarano har adde ardere fadde vacances dun no wallete parce que stay ala haysla ma do goddo ko yaago na wata mo bidi ma tata ma na yaa dun no wa wa di joni men da kaindi dun no vogo bay on tigari ga ha dun no tigari dun no wili na mo tan har on tigaro e ga fo vacances serla ja. Et qu'elle est contente, elle a le papier de Babous. Maintenant qu'elle connaît le lieu, elle va revenir pendant les vacances avec ses enfants. C'est important d'avoir un endroit où on peut aller tranquillement avec les enfants. Ouais. Qu'elle est contente. Il
Il dit que ça lui fait un endroit de plus où aller. Quand tu es avec les enfants, aller chez quelqu'un parfois tu es gêné. Mais là au moins, soit tu vas au parc ou bien tu viens ici, tu sais quelle heure, à quelle heure tu rentres. Ça te fait du bien à toi et aux enfants aussi. Oui. Bonne idée. Et à partir de septembre? Oui, à partir de septembre. Qu'est-ce que tu vas faire? À partir de septembre encore, je voulais continuer le néerlandais. Ils m'ont dit que c'est 3 jours. Ils n'ont pas indiqué les jours qu'on va partir. Ils n'avaient pas. Si c'est les 3 jours, un homme me va 3 jours, 2 jours, on me dort, je mets ma formation en attendant, et sinon, il n'y a pas de figure. Elle va trouver quelque chose à faire pour les 2 autres jours pour s'occuper parce qu'elle ne veut plus rester comme ça. Elle est là, ça fait 6 ans, mais elle faisait que cuisiner et manger. Donc là, elle veut changer, faire autre chose. Ik ben Aïcha. Ik heb vier kinderen. Ik woon in Skarbek, in Rosananansenk. Ik kom uit Guinea. Heb je een meisje of een jongen? Een meisje, 3 jongens. 3 jongens, oké. Ben je getrouwd? Ja. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi? Pour parler en français. En français, oui. En français, c'est bien. Je comprends aussi. Je prends beaucoup de choses pour lire et pour écrire. Pour partir quelque part tout seul, pour chercher les adresses. Les adresses, oui. Oui. Pour aller quelque part tout seul seulement. Et pour occuper des enfants. Oui. Ik ben Alimatou. Ik ben une vrouw. Ik heb 5 kinderen. Jongens? Drie jongen. Twee meisjes. Ik ben in de Belgische wei. Zo ari o wawai ma hiura gol wano in Nederlande mara na gol makono inete paske do ko hala ji di wondo si tay hay sananta français o moja ma nanta Nederlande o moja stay da nyumita ka be gup wonda ma avantage mo mi eto makari si o ari o susa yangol hor makono ko example so susta wawai da yangol hor makko address wawai andgol kono wonde tay fe makobe. Je demandais qu'est-ce qu'elle dirait à une personne de venir de beaucoup de choses. Des exemples, elle a dit la personne, si elle vient, peut apprendre le néerlandais. À Bruxelles, c'est 2 langues. Même si tu ne maîtrises pas, c'est bien d'avoir quelques notions de 2 langues. La personne peut chercher des adresses toute seule. La personne apprendra comment est la Belgique. Elle peut apprendre comment s'occuper des enfants aussi. Et c'est avantageux parce que ça ouvre l'esprit aussi. Oui. Il y a quelque chose que tu n'as pas aimé? Non. Non? Toutes les activités ici, c'est beaucoup. Ok, c'est bien. Alors, est-ce que tu as déjà fait la soupe à la maison? Parce que tu as dit, j'ai appris. Est-ce que tu as refait la soupe à la maison? Une fois. Et une c'était comment? C'est bon. Super. Oui, et les super. Autres ont aimé aussi? Les enfants, ils ont dû manger? Oui, oui. Ça prend beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que tu dirais à une amie? Si elle est à la maison comme ça, pourquoi elle doit venir? D'abord se présenter. Ben
Neneuro. Ik heb zes kinderen. Drie jongen, drie meisjes. Ik woon in Skarbek. Ik kom van Guinea. Ik heb 13 jaar. 13? Zo. Oh, nee. Dertig jaar. Het is beter. Ik heb 30 jaar. Ik ben 30 jaar. Ja. Ik ben getrouwd. Getrouwd? Ja. Ah, voilà. Depuis janvier, on est là. Pourquoi tu as continué de venir? Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. Oui. J'ai appris aussi beaucoup de choses. Mm-hmm. Beaucoup d'activités. Oui. Avant je restais en Flandre, mais je ne comprends pas, même pour présenter en néerlandais. Oui. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé de parler un peu de néerlandais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais d'une autre façon maintenant qu'avant? Oui, parce qu'avant, moi, avec mes enfants, si, surtout les petits-enfants, si on dort, si elles voulaient... Vomir, moi je fais comme ça. Mais on m'apprend, c'est pas comme ça. Mm-hmm. Par exemple, aussi, si quelqu'un tombe comme ça pour expirer, moi avant je connais pas. Moi, les projets là, ça m'a donné beaucoup d'idées. Mm-hmm. J'aime aussi parce qu'avant, il y a beaucoup de choses. Je suis dirais ici longtemps, mais il y a beaucoup de choses. Je connais pas, mais vraiment, j'aimais, je connais aussi. Si je vois les gens, je vais les encourager. C'est très bon pour venir ici parce qu'il y a tellement de choses. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Si tu n'as pas venu comme ici, tu ne comprends pas. Avant, si je dis non, si ça reste un peu, je vais te donner. Mais si je dis non, c'est non. Oui. Oui. Et est-ce que tu jouais avec tes enfants avant? Bien sûr. Avant, oui. Et maintenant encore? Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire à partir de septembre? Je vais continuer le néerlandais. Oui. Je voulais déménager aussi. Pour aller en France. Oula, génial. Tu vas aller où? À Tine. Je voulais parler néerlandais, vraiment. Mm-hmm. Je voulais parler. Je vais battre pour un jour aussi, je vais parler comme le français. C'est bien. Oui. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Mes retards. Ah! Mes retards. Ok. Parce que j'ai des jours de retard, mais... Vraiment, c'est pas ma faute parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital, je ne peux pas annuler. Qu'est-ce que tu as appris? Lire. Oui. Écrire. Mm-hmm. Parler néerlandais, c'est parler avant, mais c'est oublié parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour parler à la maison. Mm-hmm. Maintenant, c'est parler un peu. Avant, je gagnais l'argent, mais juste le vin, il n'y a rien avec moi. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de demander comment ça se passe maintenant. Mais maintenant, même si j'achète quelque chose, je vais garder le récit. Mm-hmm. Pour acheter le jus dehors, un jus comme un euro, ça c'est fini, je clôture. Maintenant, il y a encore de l'argent dans le compte. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est génial. Avant. J'avais oublié ça. Avant, non. Ah, c'est bien. Avant, non. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça, et tu fais bien. Les comptes à la fin du mois pour voir combien t'as mangé? Parce que, par exemple, aujourd'hui, c'est le premier, je vais chercher le cahier, écrit tout. Mm-hmm. Je vais acheter ça. Mm-hmm. Si j'achète, je garde le récit. Mm-hmm. Après, fin de mois, je regarde. Mm-hmm. Vraiment, je souhaite ça. Ah oui? Ah ben super. Oui. Ça c'est super. Oui, ça c'est super. Maintenant au moins, elle s'est économisée. Oui. Avant, non. Je gagne l'argent, mais à partir de le 20... C'est fini. On se demande où l'argent est parti. Il y a un trou dans le sac. Parce que si je veux l'argent dans le compte, ça va aller tchouk avec la carte. Non, maintenant, c'est fini. Hein. C'est bien. Oui. Oui. J'achète quelque chose, je venais à la maison, je prépare. Mm-hmm. Mais même les drums, je prépare à la maison avec les enfants. Oui. Mais avant, si j'achète ça, je vais acheter ça à 25 euros. Mm-hmm. Le pizza aussi, mm-hmm. je vais regarder avec ma fille dans l'internet. Mm-hmm. Elle va me dire, maman, c'est comme ça, on fait ça à la maison. Avant, si j'achète ça, j'achète 3 à 4. Ah oui, hein? Mais tout ça là. Maintenant, toi-même, tu prépares. Le prix d'une pizza, ça te revient à 4 pizzas à la maison. Oui.
Avant, j'ai acheté mes allers là, non. Et puis, ne vous pas écouter. Et puis, ne vous pas écouter. Quand nous avons dit qu'on a dit Moi, j'ai demandé pour les enfants, ils ne savaient pas comment faire les soins, les premiers secours. Elles connaissaient certaines choses, mais c'était juste un peu secouer l'enfant aussi et souffler sur le visage pour qu'il arrête. Mais elle ne savait pas, et le massage aussi, elle apprécie. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle fait d'une autre façon qu'avant, du coup? Oui, nous avons un art d'art, c'est nous de votre nom. Nous avons un art d'art, 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 nous avons un art d'art. La matière du logement, elle dit maintenant, elle sait comment chercher. Parce qu'elle est dans un appartement. Si elle savait su ça avant, elle n'aurait pas été dans cet appartement. Est-ce que vous pouvez dire une chose, vraiment un exemple, de quelque chose que vous ne connaissiez pas et que vous connaissez maintenant? Port de Namé, Port de Anderlecht, Port de Halle, ça a tout avancé. Ah, en Bruxelles. Oui, en Bruxelles, comment il était avant. Et les rois aussi. Sur l'éducation des enfants, yeah, qu'est-ce que tu as appris? Oui, ça aussi. Ça qu'est-ce oui. que tu as appris? Ça aussi, parce qu'avant, moi, si j'ai dit les enfants non, quelques minutes, je retourne. Mais maintenant, si j'ai dit non, c'est non. Ça aussi. Ça, c'est important. Oui, oui, ça, c'est très important. Les ONG aussi, qui sont venus ici montrer, parce qu'on a fait les enfants, mais il y a de certaines choses, tu ne comprends pas. Même si tu connais, tu dis, on s'en fout. Et maintenant, on connaît, c'est très important. Si on recommence et qu'on demandait de venir, est-ce que tu reviendrais? Bien sûr. Pourquoi tu reviendrais? Parce que c'est quelque chose qui me plaît. D'accord. Une question, Maria? Et pour manger pour les enfants à l'école, c'est vous leur donnez quelque chose avec vous? Oui, ça, je mets le tartin avec le jus du dos, avec le collation. Ok, c'est bien. Du courage. Avant, chaque jour, on mange le riz, mais je fais... Aujourd'hui, si on mange le riz, on ne mange pas chaque jour, on va mélanger aussi. Avant, chaque jour, c'est le riz, même si les enfants disent, nous sommes africains, mais quand même, je connais pour économiser. Ah, c'est bien. Oui. Est-ce que tu as fait la soupe à la maison? Oui. Tu fais plusieurs soupes maintenant? Oui, je fais les soupes potiron. Potiron, oui. Avec le légume paro. Poireau, oui. J'ai fait ça à la maison. Et c'est bon. Ah bah c'est bien. Mais oui, ça change de riz. Oui, j'ai fait ça. C'est bien, c'est bien. Avant, c'est le riz seulement avec le pâte méalère, là. J'ai fait aussi le purée avec le poisson. Tu vois, c'est bien. Mais avant, je vais aller à Kilimanjaro payer trois. Je vais aller payer le manger les Africains, c'est trop cher. Wat was voor jou het belangrijkste en het mooiste aan deze cursus? Het belangrijkste en het mooiste? Dat kan ik niet zeggen. Nee? Waar heb jij het meest van gehouden? Oostende. Het was mooi. En die kookshop ook. Die tentoonstelling. Wildingen. Wildingen? Wildingen, ik kan dat niet tellen. En heb jij zelf iets geleerd? Ja. Zoals? Die EHBO. En wat nog? Ik heb veel geleerd over rondopvoeding ondersteunen. Ja. Ik ken wel veel dingen, maar ik heb nog dit en dat dingen bijgeleerd. Ja. Ja. Het is altijd belangrijk om nog iets nieuws te leren. Ja. Ja. En vond jij de combinatie van Nederlands en maatschappelijke oriëntatie en opvoedingsondersteuning interessant? Ja,
Et c'est intéressant, de même si une ville d'Inges, elle cartonnerait, elle est souvent assez obscure pour le Nederland, c'est la réalité du Nederland, pour les exercices, mais ici, quand il y a des choses, c'est les choses. C'est belangrijk, voilà. De dingen die bij elke dag bezig bent. Dingen met wie je elke dag bezig kan zijn, of zo, dingen, dat is ja. Je huishoudelijke taken, je transport, of een baan verder en zo. Heb jij kinderen? Ik heb 2 kinderen. Jongens of meisjes? Meisjes. 2 meisjes. En hoeveel jaar zijn ze? Ik heb 2. 2 jaar? 2 jaar. Bijna 3 jaar. Ja. Bijna 3 jaar. En Aysatu? En Aysatu en 1 jaar, 5 maanden. 5 maanden, oké. Okay. En waar woon jij? Ik woon in Halle en Maimuna in Vilvoorde. Waar woon jij? Waar woon jij? Woon jij in Molenbeek? Anderlecht. In Anderlecht, oké. Okay. En welke taal spreek jij? Ik spreek Nederlands. En jij? Ik spreek Polaar. Ja. En Français. Ja. Een beetje Nederlands. En een beetje Nederlands, ja. En gaan de kinderen naar school? Nee. Nee? Wanneer? Quand? September. September. Alle 2? Nou, in Aysatu en april. In april. Ik heb 4 kinderen. 4 kinderen. Meisjes of jongens? Meisjes, jongens. En hoeveel meisjes? Combien de filles? Hoeveel de, meisjes? 2 meisjes? 3 jongens. En 2 jongens, oké. Okay. En kom jij uit Senegal? Guinea-Conakry. Uit Guinea-Conakry, oké. Okay. En welke taal spreek jij? Ik spreek Nederlands. En jij? West-Kris, c'est Peul. Peul. Alleen Peul? Of ook Wolof, of Soussou, of Engels. Polar. Polar. Seulement polar. Français. Le plus qu'on a fait. Oui, on a fait plusieurs. Mais quand tu dois refaire une, c'est laquelle que tu vas refaire? C'est pour aller faire de... Quand on est nyambre et tout. Ah. Pique-nique. Ah, Huizingen. Huizingen, au parc. Oui. Huizingen. Avec les chèvres et tout ça. Oui, oui. Okay. Et le cours de Maimouna, tu n'as rien appris? Si, j'ai appris. Oui, parce que je suis là. J'ai appris. Qu'est-ce que tu te rappelles de Belgique, par exemple? Si tu veux rester en Belgique, il y a beaucoup de différentes cartes encore. Mm-hmm. Ça, je ne savais pas. Non, moi aussi, je ne savais pas. Et Belgique, il y a un président ou un roi? Il y a un roi. Un roi. T'es sûr? Tu penses aux photos que tu as. C'est quoi que tu as aimé le plus? Faux, hein? Tout! Ouais, parce qu'on te dit, ouais, et puis, il a qu'il est bon, ouais, il couille. Nani ko wari anda ko. Qu'est-ce que tu vas dire à ta copine pour qu'elle vienne? Le mot dit parce que après elle est ma ben et puis c'est bien c'est. Le mot dit non tadi parce que waway hay bay tum go dum harana fi hala néerlandais won tigi parce que mo do wala polar mo wala Merci. À faire pas écouter. Comment on le croit, on l'a écouté.
inu gobe adwa wadde du do lut harako aluti tanta ala na kambe awar gondo wono wadde te masal ma mo yani ni no wadde taw tigi fofita no mo ini te nyame te ji mabbe di soupe ni le IHBO, la soupe. Et quand tu dis non, c'est non. Surtout, il faut continuer parce que je pense qu'il y a tout que tu peux aller très loin. Tu apprends très vite, alors il ne faut pas laisser tomber. Surtout quand les enfants sont en néerlandais à l'école. Barbounié. Vounié Invervier. Oui. Vounié Nu Invervier. Vervier. Maintenant. Wanneer in Charleroi? Ik woon in Bevoorde. Ik in Halle. Ik woon, ik werk. Ik woon. Ik woon in Abruzzo. Ja, in centrum? Brussel centrum? Scherbeek. Oké. Ja. Hoeveel jaar is je meisje? 2 jaar. Ja. 4 jaar. Nee. 2 jaar en 4 maanden. Vier maanden. Ja. En uit welk land kom je? Ik kom uit België. En jij? Guinea. Uit Guinea. Mm-hmm. Ben je al lang in België? Wel. In België. Hoe lang woon je in België? Hoeveel jaar in België? 4 jaar. 4 jaar. Mm-hmm. Ja. 4 jaar. En welke taal spreek je? Pula. Ja. Apresoso. Ja. Nou, ik wil hem voet die jangugon nooit te gaan. Bij die ontgegooien, bij die weer ontgegaande. Dank voor je pijkweek, ik kon bedankt korte. En gewoon nog veel die belzikers, ik vind het voor je ontgegaande. Dank, ontgegebatteerde. Je gaat eruit weer zo, hè? Ze begint weer veel haar te krijgen, hè? Mooi, hè? Vrij maar komen binnen, be wala be yo be arbe wala mo ki mo jano beete on tigi mari importance mo jano e hono mo ndigi be yo tono ne ngol pay koy koy wano pay koy koy ni miere mi anda wa ko si ni o de dikke antul ko sur ni kon waranta be fi yo iwu ko do fof do mi ande ade ko pro mo ni do ko no wat wondirde way fa mo ndirde wonde so fa la wona pref hebu go bi o ta ko no be gertata ko fof do mi ande to me anda fini. Elias, moi si je pouvais te comprendre. Elle a tellement d'expression dans de la façon comme elle parle. Je dois toujours rigoler. Ik ben Mariam. Mariam. Heb jij kinderen, Mariam? In kinderen. In een meisje of een jongen? Is jong. Een is jongen? Een meisje. Een meisje, ja. En hoeveel jaar is je meisje? 1 jaar. 1 jaar. En wat is haar naam? Fatmata Binta. Fatmata Binta. En kom je uit Guinea? Uit Gambia. Ah, uit Gambia. Ah ja. En in Gambia, welke taal spreken ze in Gambia? Witlang. Ja. Olof. Ja. Soso. Pool. English. Many language. Ja, verschillende. Ja. En jij spreekt Susu? Olof. Ja. Olof Pulal. Engels. Engels, oké. Okay. Ja. En welke taal spreek jij met Binta? Binta. Jij en Binta. Ik spreek met... Ja, Pula. Pula. Hola, wel de tijdje gewoon, want je had een hond die gewoon gewoon al prefie heb gewoon, om wel in de mond ja, dus kun je het gewoon goed uitzetten. Oh, dat is echt heel fijn, de liefste. Ja. Als je geen kind wil hebben, weet ze, hoe kan ze dat doen? Ja, wat ze nu moet doen. Ja. Oké, hoe vallen we naar Django dat wat er kon gebeuren in Ferimol? Gaan we onder hem gaan we vallen naar Yoto? Nou, die seconde. Nou, we bespreken hiermee. Ik kon daar gewoon telefoon die moet je hebben. Maar wel tablet. Die Django kon maar niet meer dan. Om nog voor een tijdje aan te moeten. Que les enfants ne doivent pas rester trop longtemps devant la télé, les tablettes, c'est pas bien pour eux. Et pour les règles avec les enfants, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Comment on doit faire avec les enfants?
on peut dire, vous choisissez ce que vous faites. Oui. Donc les enfants peuvent choisir ce qu'ils font. Parce qu'elle a pas l'air de qui histoire qui n'est mais là yo me dois lui expliquer la connaissance donc mais là d'abord ben mina mais nous on a importé la marigolle la ronde donc nous faut bien dire écoute quoi le pingol et d'abord ben on dit importance mais quand moi qui aime ben des courage et mou donc nous faut que nous bien dire bien d'affirmer la prochaine fois bien tout au mieux c'est arrivé important d'écouter les enfants s'ils viennent mais avant ils disent aller là-bas maintenant elle sait que c'est ça leur donne du courage et que c'est bien pour eux la prochaine fois maintenant quand ils viennent elle va les écouter voilà vous venez à Albanie en Belgique tu tu es Nederlands vind je het goed of is het moeilijk difficult Nederlands Beetje. Si on y a tout, on 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 a Pendant le congé, si les enfants ne savent plus quoi faire à la maison, c'est ouvert 4 fois par semaine ici. Ça arrive à Belgique, Marie, quand elle est à Maraco, mais Djangi pige le bouy. Non, à part ça arrive à Belgique. À part le bébé d'encore, et du mapi du pour miwari dans un na sifal exemple mais jangi néerlandais ga ka de pe kinti na men néerlandais ka de ça fala ma jogade bobo no wadi rara yo sonjata ma moddi ci biddo ma fuddi ke bonde ne dera yandi no wadi ramu rara yo sonjata ma dimpiji fo buy men jangi ok kono nekki to ma loka andano fino bobo dan korte fi hari so bonni andene en kare ka biugol dum do fof dum tindi ce que la aime le plus c'est les lois magiques et dès qu'elle a appris plein de choses sur l'éducation des enfants qu'il faut pas toujours taper il y a une manière de faire qu'elle a beaucoup appris aussi au néerlandais la Belgique on a dit beaucoup de choses sur l'éducation des enfants puis mi peidan du gol sariaji di mo ikat and sa andi sariaji ga di ason jota atam patakat ara andi ko no dogirta bi jidin andi sa yutum kameng iga na gutu do ni da zal du bayon sa ne hir se di se swet dan kan ye ma ka de ka hir won ye ben fan hini nar belgia combien d'ani 4 ans 4 jaar En gaan jouw kindjes naar Nederlandse school of Franse school? Franse school. Franse school. Oké. Okay. En wat vind je van Nederlands? Tu aimes le Nederlander? Oh, c'est difficile. Oui, j'aime, mais c'est difficile. Ja. Oké. Okay. Ah, bon. Qu'est-ce que tu as appris depuis janvier? Tu viens, pourquoi? Bon. Et elle vient toujours. Ben, toujours à l'heure. Jamais à l'heure. Chapeau, hein? Yeah. T'as pas une médaille? Oui, elle aura sa médaille. Ah oui, hein? Et qu'est-ce que tu as appris alors? Par exemple, pour des enfants, comment s'occuper des enfants? Oui, oui. S'occuper des enfants, ou si en cas les enfants ont eu un accident, comment? Oui. Madame, les sauver. Comment les sauver? Oui. Et Palais Royal, là. Oui. Ah oui? Hello baby. Oui. Ok. Et si tu vois une amie, qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'elle vienne? Je veux l'encourager pour venir ici parce que c'est très important.
c'est très important aussi. Parce que moi j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas, hein, pour les enfants, pour protéger, comment protéger les enfants à la maison. Mm-hmm. Là où on doit acheter pour faire pour les accidents. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses. C'est important pour les enfants aller jouer avec, mm-hmm. mais pour moi, avant, je ne savais pas beaucoup. Mm-hmm. Et maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu joues avec eux maintenant? Oui, je joue avec beaucoup. Oui. Surtout les choses qu'on avait fait ici pour sauter. Ah oui? On saute avec les carrés. Les enfants, ah oui? Ils aiment à la ça maison? Beaucoup. Oui, oui, oui. Oh. Ils aiment ça beaucoup. Quand on fait ça, ils rigolent beaucoup. Oui? Oui, chaque fois, je fais ça avec eux. Et surtout aussi parce que toi, tu le fais avec eux. Oui, ils oui. aiment bien. Oui. Ah ben, c'est bien alors. Mm-hmm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux apprendre? Le néerlandais surtout. Mais je n'ai pas compris ce que les autres ont dit. Oui. Mais tu as parlé beaucoup des enfants et tout ça. Oui. C'est ça que je voulais entendre. Mm-hmm. Ok, écoute, du courage et encore félicitations. Quelles sont les photos que tu as choisies? Tes photos préférées? Ah oui, ça je veux savoir. Celle-là? Oui. Là, on prépare le soupe. Ça, j'aime beaucoup parce que je ne savais pas comment préparer ça. J'aime le soupe. Et tu as fait ça à la maison? Oui. Et c'était comment? C'était très bien. Oui. Tu fais les mêmes épices, mm-hmm. les oignons, mm-hmm. mais ça, tu changes. C'est mm-hmm. aussi très bon. Hein. Il faut seulement changer ça. Les poireaux, les courgettes, les tomates. Et toujours oignons et épices. Et c'est... Voilà. C'est juste ça qu'il faut changer. Yeah. Pas une nouvelle soupe. Yeah. Oui, c'est bien alors. On est content que tu aies aimé aussi. Voilà. Si on doit donner une médaille, ici, c'est toi qui vas aller le recevoir. Et une autre. Il n'y a que deux qui auront les médailles. Ici? Non, ici c'est elle. Le matin, oui, encore c'est une. C'est ça que je dis. Oui, oui. L'après-midi, c'est toi qui viens. Ok, félicitations. Oui.